Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Euh, donc, pour vous présenter euh, la Powerbank OK PN enfin, PBN36, pardon, euh, donc c'est celle que je vous avais présenté dans le top 5 Amazon. Donc, vous pourrez retrouver le lien d'achat sur, euh, sur le dernier top 5. Euh, donc, c'est une Powerbank qui fait 20 000 mAh, donc ce qui est assez conséquent. Euh, donc, qui est faite par la marque OK. Euh, il faut savoir que c'est une marque qui a quand même euh, bon, qui est on va dire entre guillemets no name, mais qui a assez bonne réputation quand même. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci, elle arrive dans un petit carton. Donc on va la déballer, donc moi c'est pas le premier déballage euh, avant de faire la vidéo, donc ça fait réellement deux semaines que je la teste en fait, avant de vous en faire une vidéo euh, pour pouvoir vous donner un petit peu mes impressions dessus. Donc on retrouve la batterie externe, voilà, qui est... Euh, pour vous donner une idée qui fait la, la taille d'un smartphone à peu près, un petit peu plus épaisse, c'est pas trop lourd, j'ai été assez étonné. Alors c'est plutôt bien fini, c'est des, des plastiques qui sont assez costauds, euh, ça se plie pas, c on voit que c'est quand même d'assez bonne qualité. Donc elle dispose de euh, deux ports USB pour la, la sortie donc de 2,4 euh, ampères chacun et un total de euh, je crois que c'est 3 ampères en euh, 3A4 en sortie si vous utilisez les deux ici vous avez un pour la recharger soit un port micro USB soit un port lightning donc ça c'est plutôt pas mal aussi c'est euh, si vous avez euh, que votre port par exemple de la enfin, votre câble de cap de l'iPad vous pouvez l'utiliser alors il demande à peu près euh, une dizaine d'heures de charge pour, euh, ben voilà, pour avoir donc la, la charge complète. Et moi par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, euh, j'ai testé avec mon LG G4 et euh, j'ai pu le recharger on va dire 7 fois et demi à peu près. Donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Euh, le débit de charge est quasiment identique à celui d'un chargeur mural. Je ne mets pas plus de temps à charger mon téléphone. Euh, donc ça, c'est plutôt bien à condition d'utiliser le câble d'origine parce que j'ai trouvé des temps de charge complètement différents en utilisant des câbles micro-USB basiques et celui d'origine de mon G4. Euh, ça va presque du simple au double en temps. Voilà, après dispose donc d'une petite lampe euh, qu'on active donc en faisant un appui long. Voilà, donc en vidéo ça va peut-être pas trop se voir, mais ça marche plutôt pas mal. Après sur le bouton, comme on peut le voir, vous avez le voyant de charge. Euh, quand vous êtes en blanc, vous êtes entre 60 et 100%. Quand vous êtes en vert, vous êtes entre 20 et 60%. Euh, et dès que ça passe en rouge, ça veut dire que vous êtes à moins de 20%. Euh, déjà, euh, réellement, moi je crois que j'ai fait deux ou trois charges avant de descendre à 60%. Euh, donc on voit quand même que c'est plutôt pas mal. Donc bonne finition, euh, bonne autonomie, j'ai pas été faire de calcul, voir si elle propose parfaitement les 20 000 mAh. Euh, mais il faut savoir que de charger un petit peu plus 7 fois son téléphone, c'est plutôt pas mal. Donc moi, ça fait déjà une semaine que je l'ai. Je l'ai chargé déjà trois, quatre fois. J'ai essayé de charger ma tablette. Donc la tablette, par contre, pour un iPad mini... Vous le chargerez pas tout à fait deux fois. Bon, il faut savoir que la batterie est plus conséquente. Euh, par contre, vous pouvez charger. Moi, bon, ça m'arrive de charger mon portable plus ma cigarette électronique. Euh, vous pouvez charger pas euh, deux choses à la fois. Ça le tient très bien. Donc, dans le paquet, vous retrouvez donc la batterie, une petite notice. Donc, vous avez une partie en français. Hein. Donc, ça, c'est euh, bien aussi. Vous avez les tableaux récapitulatifs des euh, donc pour le voyant de charge. Ici, vous avez la petite carte, si j'arrive à attraper, euh, pour euh, donc l'enregistrer sur le site, ce qui vous donne en fait deux ans de garantie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous retrouvez un câble, donc qui est assez court, hein. euh, voilà, de type euh, micro USB. Pour la recharge, moi personnellement, j'utilise le câble de mon téléphone et mon chargeur mural. Euh, il est conseillé quand même d'avoir un bon chargeur. Hein. Euh, un 2A, ça peut être pas mal. Euh, sachant qu'avec un 2A, déjà, il vous faudra les 10 heures. Euh, sur le PC, c'est quand même plus long. Mais euh, voilà, ça reste quand même, ça reste quand même correct. Euh, vous le mettez le matin à charger, le soir elle sera prête euh, et ça vous permet quand même d'avoir une utilisation nomade. Euh, le fait d'avoir les deux ports ça permet voilà, de charger plusieurs appareils en même temps. Euh, bon, J'ai essayé un petit peu tout type d'appareils, que ce soit mon téléphone, mon iPad, ma cigarette électronique, la SJCAM aussi. Euh, bah la SJCAM, vous pouvez la charger plus d'une dizaine de fois vu que la batterie est, est assez petite. Euh, ça peut servir aussi, moi je m'en en sers en fait principalement moi de, de batterie externe quand je filme, ça me permet d'avoir plus d'autonomie, que ce soit sur la G Cam euh, ou sur le G4. Euh, donc c'est voilà la plupart des vidéos, en fait la, elle est branchée à côté, ça me permet d'être tranquille et de pouvoir utiliser euh, ben un petit peu en illimité, euh, enfin en illimité entre guillemets, mais d'avoir plusieurs heures d'enregistrement sans aucun souci. Euh, donc voilà, je vous l'avais mis en top 5 parce que je la trouvais vraiment très correcte en prix. Euh, J'ai vu qu'ils avaient quand même une, une assez bonne réputation. Euh, et c'est vrai que personnellement ça fait euh, très exactement une semaine et demie que je l'ai. Euh, et c'est euh, franchement je suis pas déçu. Euh, elle tient parfaitement la charge. Pour l'instant je n'ai eu strictement aucun souci. Donc voilà, c'est une batterie que je vous, ben, que je vous conseille. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir donc, sur le dernier top 5 que j'avais posté euh, ou sur le site internet, donc vous retrouverez dans la section du top 5, vous retrouvez euh, le lien d'achat. Euh, pour le prix, donc il y, y a souvent des promos où ils la mettent à 22,50€, sinon en prix normal elle est à 27,90€, ce qui reste vraiment très 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 correct pour ce, pour ce genre de power bank, euh, surtout en 20 000 mAh, c'est quand même une, une très très grosse capacité. Euh, c'est sûr que c'est pas pratique à avoir en poche ou autre, mais euh, voilà, ça vous permettra quand même pour vos caméras, tout ça, d'avoir une très bonne autonomie en plus. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans la description. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!